Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. Thirteenos, mémoire de radio, presente. Dreizehnos, mémoire de radio, presente. Mireille vous présente aujourd'hui. Bon, voyons, comment vous appelez-vous, monsieur ? Gérard Bernard. Gérard Bernard. Et vous avez quel âge ? 18 ans, depuis 2 mois. Depuis 2 mois ? Mmh. C'est impressionnant, hein ? Qu'est-ce que vous faites à Paris ? Vous n'habitez pas Paris, d'habitude ? Oui, j'habite à Paris depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Et avant, vous habitiez où ? Marseille. Oui. Et qu'est-ce que vous faites à Paris ? Vous travaillez ? Oui, je vais commencer le travail demain matin. Ça commence toujours demain matin, Marseille. Vous commencez demain matin, monsieur Bernard, c'est ça ? Oui, madame. Et vous allez travailler où ? À la banque de la Société Générale. Ah bon ? Dans une banque, quoi ? Voilà, oui. C'est ça, parce qu'il ne faut pas faire de publicité. D'accord. C'est... Et moi, je vous ai entendu, je crois, à peine le sexe, c'est ça ? Oui, madame. Il y a un an. Voyons, monsieur, qu'est-ce que vous aviez chanté à peine le sexe ? Une chanson de Gilbert Bécaud, c'était moi. Vous voulez me refaire un petit bout de la chanson ? Oui, madame. Que je me souvienne à nouveau ? Celui qu'on appelait le voyou de la plage, qui vivait tout l'été jambes nues, cheveux fous, qui ne payait jamais les gaufres ni les glaces, qui te jetait de l'eau, des algues et des cailloux, c'était moi. Mais qui savait le nom des 4000 étoiles et te prenait la main pour mieux te les compter, qui faisait d'un orage une carte postale en dessinant ton cœur sur le sable mouillé, c'était moi. C'était moi. Celui qui se disait professeur de tendresse, qui se moquait de toi quand tu ne voulais pas. Celui qui se vantait d'avoir eu des princesses et de se fiancer, mais de n'épouser pas. Mais qui ne riait plus en ouvrant ton corsage, ou qui riait trop fort en touchant tes genoux, qui s'endormait tout doux sur ton épaule sage, qui t'appelait pas belle et qui t'aimait beaucoup. C'était moi, c'était moi. Celui qui plaisantait un matin de septembre en piquant une rose à ton manteau de pluie, qui te disait salut, on se marrait bien ensemble et n'en a plus dormi ni le jour ni la nuit. Celui qui ne sait plus ni ton nom ni ton âge, qui ne sait rien de toi mais que tu es jolie. Oublie-le, ce garçon qui crânait sur la plage. Il croyait tout savoir et n'avait rien compris. C'était moi, c'était moi. J'avais 15 ans, c'était moi. Bon, on verra. Mademoiselle Dalvi, nous avons eu un conflit la dernière fois. Conflit est apaisé ? Oui, madame. Bien. J'espère. Ah oui, j'en suis sûre. Et je voudrais voir si vous avez compris ce que j'espérais. Vous chantez la même chanson ? Oui, madame. Comment s'appelle la chanson ? Mon mari est parti. C'est une chanson d'Anne Sylvestre. Mon mari est parti, un beau matin d'automne, parti, je ne sais où. Je me rappelle bien, la vendange était bonne, et le vin était doux. La veille, nous avions ramassé des girolles, au bois de Viremont. Les enfants venaient juste d'entrer à l'école, et le temps était bon. Mon mari est parti un beau matin d'automne. Le printemps est ici, mais que voulez-vous bien que le printemps me donne ? Je suis seule au logis.
Mon mari est parti, avec lui tous les autres maris des environs. Le tien, Éléonore, et vous, Marie, le vôtre, et le tien, Marion. Je ne sais pas pourquoi, et vous non plus sans doute. Tout ce que nous savons, c'est qu'à octobre, ils ont suivi la route, et qu'il faisait très bon. Les tambours sont venus nous jouer une aubade. J'aime bien les tambours. Il m'a dit, je m'en vais faire une promenade. Moi, je compte les jours. Mon mari est parti. Je n'ai de ses nouvelles que par le vent du soir. Je ne comprends pas bien toutes ces péronnelles qui me parlent d'espoir. Dieu est venu m'apporter son costume. Il n'était pas râpé, sans doute qu'en chemin, il aura fait fortune, et ce sera nippé. Les fleurs dans son jardin recommencent à poindre. J'y ai mis des iris, il le désherbera en venant me rejoindre. Lorsque naîtra son fils, mon mari est parti. Quand déjà la nature était toute roussie, et plus je m'en défends, et plus le temps me dure, et plus je l'aime aussi. Marion, m'a-t-on dit, vient de se trouver veuve, elle pleure beaucoup. Éléonore s'est faite une robe neuve, et noire, et jusqu'au cou. Pour moi, en attendant que mon amour revienne, je vais près de l'étang, je reste près du bord, je joue, je me promène, je parle à mon enfant. Mon mari est parti, un beau matin d'automne, parti, je ne sais quand. Si les bords de l'étang me semblent monotones, j'irai jouer dedans. Beaucoup mieux. Et il y a encore, vous pouvez encore faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous avez encore peur et vous vous retenez encore. À partir du moment d'Éléonore et de je ne sais quoi, c'est toute cette partie-là, vous avez failli éclater ce qu'il faut faire. Puis, ouf, vite, vous vous êtes retenu. J'ai peur que ça arrive à faire trop de choses et que ce soit plus joli. Non, au contraire, si vous êtes sincère, si vous faites ce que vous avez envie, puis vous aviez envie, là. Mais c'est beaucoup mieux. Je suis très contente. Mieux. Merci, mademoiselle. Bonjour, poubelle. Madame. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche un tabouret, madame. Il y en a là, sous le piano, poubelle. Voilà. Vous êtes un comédien, monsieur Poubelle. Pas encore, madame. Pas encore, ça veut dire que ça vient. J'espère. Dites-moi, Poubelle, vous avez changé de coiffure? Ah non, madame, j'ai changé de coiffeur. Ou plus exactement, j'en ai un. Qu'est-ce que vous avez fait cet été, Poubelle? Vous avez travaillé? Ah oui, madame, j'ai été pêcher quelques harengs au large de la Norvège. J'ai fait un peu de peinture en bâtiment. Et puis quelques chansons aussi avec la guitare. Quoi. Oui, monsieur. J'aimerais bien, Poubelle, que vous me chantiez l'histoire des limaces. Oui, madame. La nature, oui. Comment? La nature. La nature. La nature ou les limaces, je vais peut-être l'appeler, je ne connais pas bien encore. Alors, on verra tout à l'heure. Champignons vénéneux et mauvaises herbes foisonnent en forêt de Saint-Germain. Ce fait explique les superbes limaces qu'on voit en chemin. Dodu, ventru, grasse, limace, viande rouge de premier choix. Vous engraissez toute la race des vipères, des piafs, des putois. Ah, ah, c'est bien fichu la nature. Ah, les griffes, les crocs, les becs crochus. Ah, ce croc, ce plume, ce défigure. Ah, c'est bien fichu, il y a des amours dessous les branches, dans leurs atours du dimanche. Les piafs et les putois et les vipères, gavés, repus, ventrus de limaçons, quand ils réchappent de leur guerre, se voient crever d'indigestion. Sacré
crève, crève par centaines. Ça crève et ça pourrit bientôt en poussière l'année prochaine. Mais dans 2 ans, fameux terreau. Ah, c'est bien fichu la nature. Ah, les griffes, les crocs, les becs crochus. Ah, tout ça, ça fait de la fumure. Ah, c'est bien fichu. Je suis bruni, t'as la peau blanche, tu es l'ami, moi la tranche. Champignons vénéneux et mauvaises herbes poussent sur le terreau de Saint-Germain. Ils poussent aussi de superbes fleurettes le long des chemins. Les limaces qui sont modestes laissent les fleurs pour les humains. Ça grippe, ça colle et ça empeste dans tous les terrains de Saint-Germain. C'est bien fichu la nature. Griffes, les crocs, les becs crochus, ah, on en a vu plein la ramure. Ah, c'est bien fichu. Adieu, monsieur. Adieu, père Manche, non, pas adieu. À dimanche. Dites-moi, mademoiselle Claudine Claude, c'est cela. Pour le moment. Pour le moment, oui. Oui. Est-ce que vous avez travaillé un peu cet été? Oui, j'ai travaillé un peu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un petit peu compris et de pouvoir un tout petit peu extérioriser ce que vous avez envie de faire? J'espère. Vous l'espérez? Vous avez l'impression? Et comment s'appelle la chanson que vous avez travaillée? Une chanson d'Anouk, Mes 16 ans. Mes 16 ans? Mes 16 ans, oui. Vous allez être mignonne d'articuler tout de suite beaucoup mieux. Hein? Oui. Qu'est devenu le joli temps où tu froissais ma robe claire? T'en souviens-tu? J'avais 16 ans et j'aurais tout fait pour te plaire. Par un de ces jours lumineux où l'on croit aux contes de fées, tu m'as fait découvrir des jeux que je n'avais pas soupçonnés. En ce temps-là, tu m'aimais tant, je n'ai rien su te refuser. Je n'avais alors que 16 ans, comment pourrais-je t'oublier? Qu'est devenu le joli temps où tu froissais ma robe claire? T'en souviens-t-il? J'avais 16 ans et j'aurais tout fait pour te plaire. Mais doucement l'automne vient, balayant les décors passés. Le soleil lentement s'éteint. Toi, tu as trop vite oublié. Mes souvenirs ont la vie dure. Au fond de moi, ils sont ancrés comme un navire dont la voilure sous la tempête s'est déchiré. Il s'est enfui le joli temps où tu froissais ma robe claire, et il me semble que maintenant jamais plus je ne saurais plaire. C'est beau. Beaucoup mieux. Le public qui vous suit, qui vous écoute, décroche si vous laissez tomber. Il faut que l'émotion qui est intérieure arrive quand même à, jusqu'à nous. Tout ce que vous le faites naturellement et avec émotion. Alors, ne laissez pas tomber les petites choses. C'est dommage. Mais vous avez compris. Et puis alors, ce qui va être difficile, c'est de trouver des chansons. Je crois que j'en ai trouvé quelques-unes là maintenant. Mais en ce moment, je travaille, je trouve quand ces chemises... Quand vous parlez, Claudine, soyez mignonne d'ouvrir la bouche. Faites un effort. Trousse aux chemises de Charles Aznavour. J'ai La Clairefontaine de Georges Brassens. Les prénoms de Paris de Jacques Brel. Parce que c'est très particulier ce que vous faites. Il va falloir qu'on y pense sérieusement. Bon, mais je suis contente. C'est mieux. Je ne sais même pas comment vous vous appelez, pourtant je vous connais depuis un moment. Jean-Pierre Sarraud. Jean-Pierre Sarraud, c'est ça. Vous écrivez?
Oui, madame. Je vais vous demander de me poser la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Oui, madame, je suis... Quel âge avez-vous maintenant? J'ai 24 ans. Oui. Et je suis venu vous voir pour vous poser une question qui est un gros problème. J'ai une licence en droit, j'ai mon CAPA pour m'inscrire au barreau. D'autre part, je fais des chansons depuis pas mal de temps. Au point de vue interprète, je ne pense pas être prêt. Et alors, le gros problème pour moi, c'est de savoir si je m'inscris au barreau et je continue à écrire des chansons et à commencer à travailler mon interprétation, ou bien si j'attends pour m'inscrire au barreau puisqu'on a 5 ans pour conserver le CAPA et 2 ans de service militaire que je n'ai pas encore fait, et continuer seulement à faire des chansons. Alors, je vous ai répondu tout à l'heure. Vive le barreau. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai rencontré Jean Noin il y a très longtemps, il était avocat, il était secrétaire à la conférence, et on faisait les chansons derrière les dossiers. Alors je trouvais « Papa n'a pas voulu coucher dans le foin, quand un vicomte rencontre un vicomte », tout ça derrière le monsieur qu'il fallait qu'il défende. C'est pour ça que je vous dis, ça ne doit absolument pas vous empêcher de faire des chansons. Bien au contraire. Et je suis contente que vous m'ayez posé la question. J'espère que ça vous a encouragé que je puisse vous répondre ça. Absolument, oui. Parce que Jean-Noël, il avait à peu près votre âge. Alors je vous souhaite bon courage, comme avocat d'abord, et peut-être comme parolier ensuite. J'écris la musique aussi. Oh ben, vous avez surtout la chance, alors vous n'avez pas besoin de rencontrer une petite Mireille, vous. Ça va, Mais je préfère surtout écrire des musiques que des paroles. Est-ce que je peux vous demander quand même, pour qu'on ait une petite idée de ce que vous faites? Pas comme plaidoirie, mais comme chanson. Vous voulez nous montrer? Oui, bien justement, bien. Comme chanson, j'écris deux sortes de chansons, beaucoup de slow, et souvent des chansons assez mélancoliques. Et puis à côté de ça, des chansons absolument hurluberlu. Bon, faites voir un peu, qu'est-ce que vous avez là? Alors, j'aimerais vous présenter une chanson, disons, un peu sérieuse. Bon, je vais en écouter juste un petit bout. Hein. D'accord. Madame. Mais est-ce que vous êtes tout à fait regonflé maintenant et encouragé? Oui, encouragé, oui, madame. Ça y est, vous n'êtes oui. plus triste. Vous allez non. faire les deux. Oui, je vais faire les deux. C'est promis. C'est promis, madame. Bon, voyons la chanson. C'est ta fête, longue en terre, un dimanche au soleil, un dimanche, villa blanche, fleurs vermeilles, quelle merveille. Et ce dimanche, pour ta fête, longue balade dans quatre planches, dans quatre planches, si c'est bête, une fête et un dimanche. Tu voulais, avant que l'on ne t'enterre à jamais, une balade en corbillard près de la plage de gravier, en pensant que l'on pouvait bien t'offrir cela pour ta fête. Quelle idée! Non, mais où l'as-tu pêché? C'est ta fête, longtemps terre, un dimanche au soleil, un dimanche, villa blanche, fleurs vermeilles, quelle merveille! Et ce dimanche... Tu peux pas écouter plus, j'ai plus beaucoup de temps. Je sais pas, il y a quelque chose. Voyons, mademoiselle Claude Royan, nous nous sommes vus cet été à Helsinki, au Festival Mondial de la Chanson. C'est un merveilleux souvenir. Oui. J'ai entendu des chansons de tous les pays du monde. Il y en avait 67, je crois, pays. 124. 124 pays? Ou 127. Vous voyez, j'en ai oublié tout un tas. Et sur donc ces 124 pays, il y avait 3 médailles décernées. C'est-à-dire qu'il y avait une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. La médaille d'or a été gagnée par une Israélienne, je crois. Tamara. Tamara. La médaille d'argent a été gagnée par une Tchèque. Et la médaille de bronze, j'en étais très fière, a été gagnée par une Française qui s'appelait Claude Royan, que vous avez gagnée dans la section, c'était ainsi qu'ils appelaient les sortes de départements de chansons, parce qu'il y avait le classique, les chansons populaires et le folklore, et vous avez gagné avec une chanson du folklore, puisque c'est une chanson de qui, dites-le, mademoiselle? De Marie-Antoinette. Et maintenant, je vais vous demander, est-ce que vous avez d'autres comme chansons anciennes? Qu'est-ce que vous avez choisi là? Eh bien là, j'ai choisi une chanson du Barberi. Du Barberi? Apprenez à connaître.
Dessus ces vallons, il y a de jolies filles, elles changent d'amant à tous les instants. Elles ont le cœur si bien placé qu'on est aussitôt charmé. Fille, apprenez à connaître avant que d'aimer. Et allons-y donc, ma belle mignonne, et allons-y donc, dessus ces vallons. Nous suivrons tout du long les tambours et les violons. À l'ombrage sur l'herbette, nous nous aimerons. Quand on s'est aimé, bientôt l'on se quitte. Quand on s'est aimé, il faut se quitter. Quand on a les larmes aux yeux, il est temps de se dire adieu. Ah, quel triste passage pour les amoureux. Quand on n'aime pas, l'on ne s'engage guère. Quand on n'aime pas, l'on ne s'engage pas. Une fois le cœur engagé, on n'a plus sa liberté. Fille, apprenez à connaître avant que d'aimer. C'est ravissant. Oh, c'est une très jolie chanson. Qui a trouvé ça? Cadou, les artistes? C'est toujours Cadou, oui. C'est toujours Cadou. Mmh. Oh, c'est ravissant. Bertin, je vais vous demander de me montrer ce que vous avez chanté tout l'été, Cher Cigale. Ouh, c'est amusant. Bah, y a une chanson, madame, qui a très bien marché, enfin pour moi. Une chanson de Jean Ferrat et Claude Delécluse, Deux enfants au soleil. C'est très connu, ça. Oui, très. Extrêmement connu. Vous chantiez ça tous les jours au casino? Non, pas au casino. Pas au casino, madame, sur le front de mer. Comment? Sur le front de mer. Non, enfin, à Royan, il y a ça, c'est drôle. Ce qu'on appelle le front de mer, c'est un des grands buildings qui font arrondi. C'est à Royan que ça se passe. Voilà. Ça. Très bien. Je vais vous demander de chanter comme si vous étiez à Royan, avec le fond des élèves. C'est plus dur. C'est la mer. La mer sans arrêt roulait ses galets. Les cheveux défaits, ils se regardaient. Dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignaient la plage, ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait, la même innocence les faisait trembler devant le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Dehors, ils ont passé la nuit. L'un contre l'autre, ils ont dormi. La mer longtemps les a bercés. Et quand ils se sont éveillés, c'était comme s'ils venaient au monde dans le premier matin du monde. La mer sans arrêt roulait ses galets. Quand ils ont couru dans l'eau les pieds nus, dans l'odeur des pins se sont pris la main et sans se défendre sont tombés dans l'eau comme deux oiseaux. Sous le baiser chaud de leur bouche tendre. Et c'était comme si tout recommençait, la vie, l'espérance et la liberté, devant le merveilleux, le miraculeux voyage de la vie.
gentil. Venez, monsieur Prouveau. Vous m'entendrez mercredi. Bien hein? sûr, madame. Merci. Venez, monsieur Prouveau. Prévost. 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 Monsieur Prévost, je trouve. Ah, mais il est gentil. Merci, très, très gentil. Monsieur Prévost, vous avez quel âge, s'il vous plaît? J'ai 23 ans. Je trouve très gentil, c'est pour ça que je le souligne. C'est Bobo qui vous a envoyé à nous. Oui, oui, maintenant, les uns et les autres. C'est ça. Allez voir Mireille, allez voir Mireille, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Ils vous disent pas que je suis trop sévère, non? Non, 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 ce n'est pas encore arrivé. Vous n'êtes pas sincère, là, hein? Si, si. Ben non, ça s'est vu. Monsieur Prévost, oui, c'est Daniel, c'est ça. Hein, c'est ça. Oui. Bobo m'a dit que vous étiez comédien. Oui. Avant. Oui. Et maintenant, vous avez décidé de, uniquement de presque de chanter. Oui, j'ai envie de chanter. Est-ce que je peux vous demander, monsieur Prévost, de me montrer la chanson que vous m'aviez chantée à l'audition? Oui, mais oui. Mon désespoir est grand d'avoir soudain compris à l'âge de 20 ans, au printemps de la vie, qu'on ne peut faire rimer autobus et curé. J'avais vainement cherché dans mes nuits d'insomnie de ce mystère la clé. À la lueur d'une bougie, je voulais trouver ce rébus, curé et autobus. J'ai aligné des mots, honnêtes ou bien canailles. Par exemple, chandeau, c'est le pluriel de chandail. Mais je n'ai pu faire rimer autobus et curé. À la fin excédé, j'ai voulu voir sur place. Et j'ai longtemps parlé au curé de ma paroisse. Père, peut-on faire rimer autobus et curé? Il me dit, c'est pas possible, ça fait 30 ans que j'essaie. Oh, mon père, c'est horrible. Oh oui, mon fils, je sais. La meilleure solution pour tout ce qu'il t'arrive, c'est d'écrire sur ton front curé locomotive. Il y a énormément de personnes qui m'ont demandé, d'élèves et de téléspectateurs, ce que vous étiez devenu. Ils m'ont dit, on ne voit plus le grand. Ça doit être vous, le grand. Hein. Ouais, bah, qu'est-ce que vous êtes devenu? J'ai tourné. Oh. Vous avez tourné quoi? Une souris chez les hommes, et puis les pieds nickelés. Les pieds nickelés? Oui. Et qu'est-ce que vous faisiez dans les souris, la souris là? Je faisais un gardien de musée. Ah bon? Et vous faisiez quoi? Vous mimiez quoi exactement? Rien, parce que je gardais la Joconde. Mais vous gardiez la Joconde tout seul? Il y avait deux funèbres qui venaient, puis qui la regardaient. Comment? Il y avait une pose, une... Oui, il prenait la pose de la Joconde, comme ça, parce qu'il était devenu Joconde à force de la regarder. Ah bon? Et vous faisiez quoi? La même chose. Ah bon? Et dans la seconde? Dans les pieds nickelés, je faisais un chauffeur. Un chauffeur de voiture. Oui. Et alors, vous aviez un accident, non? Non, mais je ne sais pas conduire, alors on m'a tiré avec une des panneaux. C'était pas prévu comme ça? Non, parce qu'il croyait que je savais conduire. Vous n'avez rien dit quand on vous a engagé? Non, c'est pas bien. Beau, ça, Castelli. Non, mais la dépanneuse s'est bien débrouillée. Bon, merci, Castelli. Venez, madame. Oui, madame. Je suis toujours un petit peu émue quand je revois sur les bancs une ancienne élève de presque les débuts du petit conservatoire. C'est vrai, madame. Presque en même temps que Risset. Oui, hein? C'était la même époque. C'était la même époque. C'était il y a maintenant 6-7 ans, hein? Quelque chose comme ça. Oui, madame, ça doit faire 7 ans. Et dites-moi, Dano, quelle impression est-ce qu'on a quand on vient s'asseoir comme ça? Parce que vous revenez tous un petit peu. Mm. De temps en temps, je vous sens venir et puis je me dis, il y a peut-être un petit problème, il y a quelque chose quand ils reviennent. Non, c'est pas seulement à cause des problèmes qu'on revient, madame. On revient pour... D'abord, on revient pour soi, pour se trouver... Pour se retrouver sa... J'allais dire sa jeunesse, mais ça paraît un grand mot, mais... Oui. Si, c'est presque ça, madame. Tout au moins, les débuts. Vous comprenez? Oui. Puis, pour voir les autres... Puis pour voir s'ils ont les mêmes problèmes qu'on avait, puis ils pour voir ce qu'ils font.
Ils ont les mêmes. Parce que l'enfant est très curieux. Bien sûr, mais ils ont les mêmes problèmes. Oui, je suis sûre. Je pense qu'il y a un problème actuellement pour vous qui est le problème même de la chanson. Oui, oui, madame, en effet, parce que... Enfin, vous... je ne vous apprends rien en vous disant que pour les gens qui chantent des chansons... Il y a un tournant. Des chansons à texte, c'est difficile. Il y a un tournant, oui. Vous avez trouvé dans, jusqu'à maintenant dans votre, j'allais dire votre carrière, c'est aussi un grand mot. Oui. Enfin, dans votre vie de chanteuse, 3 ou 4 chansons oui. qui vous allaient admirablement, qui vous faisaient vraiment sortir, ressortir, oui. extérioriser tout ce qu'il y a. Oui, madame, mais je crois que c'était seulement, c'était parce que c'était de très bonnes chansons, mais aussi parce que c'était des petites histoires en 3 couplets. Quoi. Et on en fait moins. Et comme moi, j'étais surtout beaucoup plus comédienne que chanteuse. Oui, je vous ai toujours demandé de chanter avec vos yeux. Oui, madame. Alors maintenant, je vais vous demander, puisque je ne peux pas aller au théâtre, je sors très peu le soir, vous le savez, je voudrais voir ce que vous faites un peu au théâtre, comment vous dites. Vous savez, même si je vous dis un petit morceau de poème, ce sera très différent de ce qu'on peut faire au théâtre. Je voudrais. Vous voulez? Oui. Eh bien, madame, je vais prendre mes risques. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Vous m'avez dit tout à l'heure, je connais un poème c'est chinois qui vous plaira. C'est un petit morceau de prose poétique qui est traduit du chinois. Et c'est, je ne pourrais pas vous dire quel en est l'auteur parce que c'est un texte très ancien. Dites. Vous me répétiez, nous vieillirons ensemble. En même temps que les miens, tes cheveux deviendront blancs comme la neige des montagnes, comme la lune au ciel d'été. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai appris que vous aimiez une autre femme. Et le cœur déchiré, je suis venue vous dire adieu. Une dernière fois, versons du vin dans nos tasses. Une dernière fois, chantez-moi la chanson qui parle d'un oiseau mort sous la neige. Et puis, je m'en irai droit devant moi vers le fleuve Yukéou, dont les eaux se divisent pour couler vers l'est et vers l'ouest. Pourquoi pleurez-vous, jeune fille qui vous mariez? Vous épouserez peut-être un homme qui vous répétera sincèrement « Nous vieillirons ensemble ». Les garçons de la rue, une chanson de Level. C'est ça? Et Vincent. Et Roland Vincent a fait la musique et vous les paroles. Oui. Bien. Un garçon qui a été sur un banc, monsieur Rémy, oui, madame. Pendant plusieurs années. Un vassou qui est resté sur un banc pendant également. Plusieurs années, à côté de Dano. Et maintenant, un groupe de garçons de la rue qui interprétait une œuvre de monsieur Level. Oui. Et monsieur Vincent. Allons-y. Oui, vous savez, Mireille, c'est la mode des chansons yéyé, des chansons qui ne veulent rien dire. Et qu'est-ce que vous m'apprenez là, Rémy? Et nous pensons qu'il y aura toujours des chansons qui veulent dire quelque chose. Des chansons de Brassens, de Ferré, bien sûr. De Trainé, merci. De Mireille. Oh, allons-y. Charles Level, en pensant à ces chansons, a écrit des morceaux choisis. Bien. Allons-y, messieurs. Il y aura toujours des petites filles en pleurs dans des gueuses en pluie pour faire des chansons. Il y aura toujours un poète fuyeur qui vient revoir Paris pour faire des chansons. Il y aura toujours un bougre d'Auvergnat pour tendre un parapluie à quelques vieux léons. Il y aura toujours pour séparer les pas des amants désunis la mauvaise saison. Il y aura toujours une rousse Julie qui joue à Colombine avec tous les pierrots. Quand on n'a que l'amour, qu'on est môme jolie, pas besoin de combine pour mettre la poule au pot. Il y aura toujours une tête de bois et un côté du mur qu'on ne verra jamais. Dès l'ombre des goûts, il y a des petits bois
où l'on trousse à coup sûr des chemises d'été. Il y aura toujours et le temps du muguet, et le temps des cerises, et le temps du tango. Il y aura toujours Paris au mois de mai, qui nous fait des surprises et se mire dans l'eau. Il y aura toujours des carrosses magiques pour traîner la chanson qui veut dire quelque chose. Yeah, 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 yeah. Dire quelque chose. Mademoiselle, je voudrais vous offrir des fleurs, mais je n'ai qu'un pauvre petit escalier. Pour me rappeler des mauvais souvenirs. Oh, des bons souvenirs. Non, mais on a tous été impressionnés quand on a vu l'escalier à Copenhague. Tout le monde a eu le cœur serré. Tous les élèves me l'ont dit. Et tous les milliers de spectateurs qui vous suivaient, qui vous ont aidé à encourager. Moi, je voudrais savoir combien de fois vous avez essayé de monter et de descendre les escaliers avant. S'il vous plaît. 18 fois, madame. 18 fois, vous avez fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Vous me donnez, non ? Vous voulez garder l'escalier en souvenir ? Je veux bien. Je voudrais, Rachel, d'abord, vous avez eu une grande chance, vous le savez. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup parler. Alors, moralement, vous remerciez tous les gens qui ont été si gentils avec vous. Ah, oui, et il y en a eu tout beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Je ne veux pas vous faire pleurer avant de chanter. Non, non. Et puis, remerciez aussi vos auteurs. Mm-hmm. Pop, bien sûr, et Kou, qui vous ont fait confiance. Et maintenant, vous allez avoir la chance d'être accompagné par M. Robert Valentino, qui va faire l'orchestre de Pourcelles à lui tout seul. Hein? Voilà. Redis-moi, Mallory, la chanson que tu me chantais, ta chanson de l'été, dans le bleu du ciel irlandais. Tu n'avais que 16 ans, moi j'étais encore une enfant, et la nuit qui venait nous avait pris pour des amants. Toi, Mallory, tu chantais pour moi, le vent mêlait nos cheveux. Et je ne sais plus très bien pourquoi nous avons fermé les yeux. Souviens-toi, Mallory, nous avons attendu le jour en rêvant tous les deux. Je crois bien que c'était l'amour. Où est-elle, Mallory, la chanson que tu me chantais, ta chanson de l'été, dans le bleu du ciel irlandais. Le soleil se couchait en jetant de l'or dans tes yeux. On jouait à s'aimer, mais pour toi ce n'était qu'un jeu. Oh Mallory, où est-il ce chant d'amour de l'été? Vers quel pays est parti le vent qui l'a emporté? Ta chanson, Mallory, je la garderai pour toujours, car c'était la chanson de premier amour. La 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 la, car c'était la chanson d'un premier amour. Fonfrède, vous avez la chance d'avoir une spécialité en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire que vous faites toujours les chansons du même style. J'allais pas dire de mode, mais du même style. Ce qu'il y a avec vous, Fonfrède, c'est que comme les chansons, les enfants, vous voulez vous taire un tout petit peu, comme les chansons sont rapides, oui, vous avez une difficulté à articuler.
Alors, voulez-vous faire un petit effort? Ben, je vais faire l'effort. Et puis, on va rire, hein, pour vous aider. Si on riait un bon coup, là. Voilà, c'est parti. Je me trompais dans les paroles. Alors. N'allez pas dire à mon ami que je m'ennuie. Mille pâquerettes sont autour de moi. Ce n'est pas la fête, car elle n'est pas là. Mais à quoi sert un ciel d'été, une herbe tendre et des oiseaux, un souvenir, une chanson, si je ne peux comme autrefois regarder les yeux de l'ami de mes 20 ans. Une belle rose s'en allait pieds nus, la fleur s'est éclose, puis a disparu peut-être, mais la chanson du vent toujours me la ramène au présent. Pour réchauffer mon cœur, ami, te veux garder. La nature est en liesse, demain la moisson, et la saison est douce pour filles et garçons. Une hirondelle de bon matin m'est venue voir en grand secret, et j'ai compris en la voyant que bientôt je retrouverai la joie de vivre et la gaieté du temps passé. Je construis pour te plaire et pour t'abriter un chalet de branches, de feuilles dressées. L'hiver viendra peut-être, mais après le printemps, et brille le soleil dans les champs. On ne dira plus à mon ami que je m'ennuie. Nous aurons la fête alentour de nous, et les pâquerettes nous prendront pour fous. Il servira le ciel d'été, et l'herbe tendre et les oiseaux, le souvenir et la chanson, car je pourrai comme autrefois regardez les yeux de l'ami de mes 20 ans. Une belle rose alors reviendra, et la fleur éclose chantera pour moi, une voix qui m'enchante dans la nuit et le jour, répétant les paroles de l'amour. Alors on pourra dire à mon ami que je souris. Il y a quelques années, Jean Noël avait fait une opérette disquée qui s'appelait Le Mois de Vacances. Et c'était l'histoire de trois jeunes garçons et une jeune fille qui allaient dans un petit chemin, dans un vieux château, qui rencontraient un jardinier, tout un tas de choses comme ça. Et dans le vieux château, un jour, il pleuvait. Et Jean Noël a imaginé que les jeunes gens devaient apprendre à jouer au bridge. Alors, cette chanson était chantée à l'époque par Pilcet Abbé, Jean Sablon et moi, et j'ai demandé aujourd'hui à Beretta de prendre le rôle de Jean Sablon, à Sevran de prendre le rôle de Pils, à Lemel de prendre le rôle de Tabé et à Noël Cordier de bien vouloir chanter le mien. Voilà, la partie de bridge. Bonjour Pascal. Monsieur, les cartes. Bien. Justement, j'étais en train de les compter. On ne peut pas jouer au bridge à trois, impossible. On ne peut pas jouer au bridge à trois. Oui, c'est ennuyeux. Ah oui, mais je crois que ça va s'arranger. Regardez. Oh. Venez, soyez aimables. Venez bridger à notre table. Le bridge est un jeu calme et merveilleux. Le bridge est adorable. Oui, mais je ne joue pas très Comment bien. Vous n'êtes pas très forte? Tout va s'arranger. Ah bon? Ça ne fait rien du tout, qu'importe. Si et vous gaffez, nous fermerons les yeux. Asseyez-vous, vous ne pouvez pas y couper. C'est moi qui donne. Allez, coupez, coupez. Très bien. Oh, pardon. Il est pas mal. Un pic. Oui, un pic. Deux carreaux. Deux carreaux. Trois trèfles. Et moi, trois sans atout. Quoi? C'est fou, je ne puis pas admettre qu'on me coupe quand je suis maître. Et c'est dans la forte du mort qu'on joue pour ne rien compromettre. Et puis il existe une règle, dans sa longueur on joue sa faible.
Voyons, mademoiselle, à quoi pensiez-vous quand on n'a qu'un tout petit jeu de rien du tout? On ne demande pas 300 à tous. C'est pas vrai, ça. Ah non, j'ai jamais vu ça. On le voit rêver. Messieurs, c'était pour être aimable. Raté. Que j'ai pris place à votre table. Le bridge est un jeu qui me fait horreur. Merci beaucoup. Le bridge est détestable. Et puis vous d'abord, comme c'est trop rythmique. Pourquoi j'ai joué mon as de pique? Ah oui. C'est que j'ai cru couper sa dame de cœur. Et puis vous n'allez tout de même pas m'avaler. Pour deux rois, et un tout petit valet. Mademoiselle, mademoiselle, pardon. J'aurais pas. Consolez-vous, mademoiselle, nous avions perdu la cervelle. Vous n'aviez pas besoin de faire enchère. Allez pour qu'on vous aime. Laissons ces cartes imbéciles. Séchez vos cils et vos pupilles. Quand on a des yeux aussi doux que vous, même avec un tout petit jeu de rien du tout, on peut demander 400 à. Bien. Venez, venez, soyez aimables. Venez bridger à notre table. Le bridge est un jeu calme et merveilleux. Le bridge est adorable. Barrier était sur les premiers bancs du conservatoire. De l'université. Oui, de l'université. Ça devait être dans sa deuxième ou, je sais pas, dans ses premières, deuxième années, quelque chose comme ça. Oui, oui. Je n'avais pas commencé à chanter encore. Non. Oui, oui. Ça me fait toujours plaisir de retrouver Rissé avec nous. Et c'est amusant parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé depuis que je le connais de travailler, d'attendre l'inspiration à des moments... comme pour tout le monde d'ailleurs, oui, oui. Difficile. Quand on a fait un succès aussi grand que La Servante du Château, c'est très difficile de retrouver une autre chanson. Et souvent, il est venu me trouver préoccupé. Et puis alors, récemment, je trouve qu'il a trouvé à nouveau une chanson formidable. C'est amusant parce que le thème aurait pu ne pas être gay. Et c'est très drôle. Oui, oui, c'est vrai, dans le fond, c'est pas très gay au départ. Oui, mais c'est amusant. Comment? Si nous plantions un décor sur la scène, il y aurait devant vous l'intérieur d'un corbillard. Immédiatement derrière, une très très belle femme en noir et en pleurs. Quelques membres de la famille en pleurent également. Et un seul personnage, mais rigole franchement, c'est le mort. Je la sens près de moi, son rimel fout le camp. Oh, qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Toi qui ne venais jamais à mes rendez-vous de mon vivant. Tu ne te promenais jamais en auto seul avec moi. Oh,
aujourd'hui c'est fête, nous voilà réunis dans le même convoi. Tu m'as dit non toute ma vie, le jour de ma mort tu me dis oui. L'amour auquel je ne croyais pas est né le jour de mon trépas. Qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Quelles sont belles tes fleurs, tu en as eu au moins pour 15 000 francs. Toi qui dédaignais tous les bouquets de roses que je t'offrais, aujourd'hui c'est toi qui m'apportes une couronne signée regret. Moi j'ai pleuré toute ma vie, le jour de ma mort tu pleures aussi. Dommage que tu me dises je t'aime dans le langage des chrysanthèmes. Qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Moi qui voulais me foutre à l'eau à chaque fois que tu me disais non. Je ne pouvais pas supporter l'idée de vivre sans toi. Mais je me disais, fais confiance au destin, ton heure viendra. Fallait que je défonce un platane pour que tu veuilles bien devenir ma femme. Tu vas voir comme ce sera coquin, tous les jours ce sera la Toussaint. Je la sens près de moi. Si j'avais su, je serais mort avant. Pareil. Voyons, je me demandais qui chanterait et comment je pourrais encore une fois commencer la classe en rendant un hommage au plus éminent, prestigieux et je ne sais pas tous les adjectifs gentils et forts que mérite Charles Trenet, mon confrère. Votre petit frère. Mon petit frère. Il nous regarde. Mon grand frère. Oh, ben chouette. Oui, oui. Et puis de toute façon, comme c'est vous qui chantez et pas moi, si ça ne va pas... Il va être déshonoré. Il va être déshonoré. Mais j'ai trouvé gentil, justement, Charles, qu'un ancien et un auteur me demande de chanter une de vos chansons. Ça a été approuvé à l'unanimité. Allez. On y va. Vous venez avec moi? Pourquoi faire? Pour me faire rire. Comment pour vous faire rire? Mais il est insolent. Ah, vous avez besoin que l'on vous fasse rire. Robert, s'il vous plaît. Allez-y. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai. Ainsi que ceux qui se désolent, un mi fané qui le console, à dos brûlé par le grand soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciens que je te ferai, le frisson d'autrefois m'emporte alors dans l'atmosphère d'un grand bonheur. Dans une petite chambre, mon joli cœur du mois de septembre, je pense encore, encore à toi, domicile-là. Adieu, adieu, piano, tu sais combien peuvent être cruelles ces notes que tu joues faux, et dans mon cœur, ouvrant ses ailes, s'éveille alors la douce rengaine, mon heureux sort, ou de mes peines, lorsque tu tapes, tape toute la semaine, mais le samedi, quand les jeunesses débarquent, tu sais alors, brigand de la plage, que ton souvenir les marque, et qu'un beau soir, passé le bel âge, un autre que moi, devant la piste, restera là, et sera triste, en écoutant le cœur battant l'air de ses 20 ans. La 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 la. Merci Pascal. J'avais demandé
à Dan Élève, nous, à nouveau, d'essayer de chanter. Comme c'est une adorable comédienne, je me demandais pourquoi est-ce que ce ne serait pas une adorable chanteuse. Bien sûr, c'est très difficile. Mais Sacha Guitry m'avait expliqué qu'au théâtre, comme pour chanter d'ailleurs, si on n'avait pas de charme, ça ne pourrait pas passer. Il n'y aurait pas de contact entre l'interprète et le théâtre. Et je crois que Daniel Evenou a le charme. Alors moi, je vais lui demander, malgré le peur, n'est-ce pas, mademoiselle, d'aller dans la classe, micro-élève, s'il vous plaît, là-bas, et vous chanter une chanson de Jean Noin. Christian, s'il vous plaît. Le 2, c'est une boulangerie, le 6, c'est un brocanteur, le 12, une charcuterie, le 16, un marchand de couleurs. Mais je me fous de la boulangère, je me fous du vieux brocanteur, le charcutier m'indiffère, je suis froide dans le marchand de couleurs. Y'a que le 27 qui m'intéresse, pour mon cœur c'est la seule adresse, c'est là qu'habite Victor. Ma faiblesse, du trottoir je peux voir sécher ses mouchoirs, que cette maison-là m'est chère, que j'aime sa porte cochère. C'est bête, je sens mon cœur qui s'arrête net devant le numéro 27. Je sais qu'au rez-de-chaussée habite un petit bossu, un professeur de lycée loge à l'étage au-dessus. Au troisième c'est un notaire, à droite un vieux général, à gauche un vétérinaire. Mais tout ça m'est bien égal. Y'a que le septième qui m'intéresse. Je me... Voilà. Excusez-moi. Y'a que le septième qui m'intéresse, y'a qu'au septième qu'il y a de l'ivresse. C'est là qu'habite Victor, ma faiblesse. Du bas de l'escalier, je vois son palier, je grimpe en courant 4 à 4. Victor m'attend prêt à s'ébattre. Mon âme sœur n'a pas d'ascenseur, je suis en nage quand j'arrive au septième étage. Il a dans sa petite chambrette des tas d'objets de valeur, portraits Marie-Antoinette et des femmes nues en couleur, et puis deux fauteuils rustiques, un poisson dans un bocal, un presse-papier à musique, et puis le sabre d'un amiral. Mais y'a que le lit qui m'intéresse, c'est un lit des galeries Barbès. C'est là que dort Victor, ma faiblesse. La luxure insensée me laisse glacée. Y'a qu'une maison qui m'intéresse, y'a qu'un étage où y'a de l'ivresse, y'a qu'un lit en Paris, mon ami m'attend là-bas, au 27 rue des Acacias. Au théâtre, quand on joue la comédie, il y a un souffleur. Hein? Mais oui. Là, pour nous, il n'y en a pas. Non. Nous sommes seuls. Alors, il faut faire ce que vous avez fait. Tranquillement, recommencer, ne pas tricher, reprendre là où vous êtes arrêté. Ce que vous avez fait. Voilà, et puis la prochaine fois, vous serez dans le cœur. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous y donnent leur fête. Invite, souris-moi, courons vite, ne crains rien.
chemin qui sent la noisette. Oh, ce petit chemin m'a tourné la tête. T'as posé trois baisers sur mes cheveux frisés et puis sur ma figure toute barbouillée de mûres pour nous observer. Des milliers de bêtes s'étaient installées par-dessus nos têtes. Mais un lièvre au passage nous a dit: soyez sage, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin.